Coco ya suka moka. Ashka, Ashka, today. Honoré Kabongo. Les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama. Bobatelama nanzame o. Shaba motema pasie bana buna kana e zambe alola abate la bena zambe kostan dima beta 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 matusa beta matusa e infarte se l'équipe en marquant la police nationale mama yo yo Mama Christian Chiwewe Le Jene Jene Patriotic Ah Kembo Ah Kembo Toma Landa A Congo Mongali que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. BioHebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques. Et ça, aucun effet secondaire. Et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale. Lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin,
je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Chers partenaires Digilink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec Digilink, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur ? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur Digilink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez digilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez Digilink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, Digilink est pour vous. www.digilink.com. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes de retour aujourd'hui, 4 avril 2024, pour échanger autour des questions importantes de la République, de la République démocratique du Congo, notre pays. Je suis content, là où vous êtes, je pense que vous avez déjà vu les titres aujourd'hui, grave révélation de HK, tous contre la RDC. Je pense que ça vous donne une idée. Merci à notre réalisateur qui a écrit ça. Je pense que aujourd'hui, Nazana est sur Openzat, puisque je vais vous partager des informations. Très souvent, Nayo Karabat, Monsieur Balobi, HK, mais Marambolobi, Salibiso, pas si, si qu'on a une Nazaye Golia. Bon, Nazoli, elle est soutenue, Nzalaï Sili, Nzalaï Fo ici, là. Puisque vous et moi, Esaï Yote Nangaï, Moutouto Zengaki Nanzambe appelle Sabiso RDC comme pays. Personne entre vous et moi, personne. Et c'est Dieu qui nous a donné ce pays. Et Tozo Lala, Tozo Lamoka, Dengeni Nimboka Nabiso et Kouzala, Lokola Mboka Nyonsu. Pourquoi notre pays n'avance pas? Et autour de cette question, il y a toujours des réponses. Tantôt Yamabe, il y a bien que tu es à la rater. Alors, c'est pourquoi je dis, je pense que je vais vous dire des choses aujourd'hui qui vous feront encore mal. Puisque Moussa Lamanga Isaiah Kokendoko Luka, Koya, Pekope Sabino, Kotali Sabino Makamango, Ndenge Zoleka. Mais avant de continuer, juste deux petites choses. La première, c'est ce produit ici. Non, ici, voilà. Ce produit là, produit Oyo, Nazol Belangona Lingala, produit Oyo, Ezo Silisa. Oyo babengi sukali. Sukali nakata nzoto. Ezo diminu, ezo kitisate, ezo silisa. Yango na sengi na bino. Nazai ko laksa bino pake moko. Me bachango na ba karton. Bachango na ba karton. Ba numero o e nyonso ezo le kanasawa. Eza numero, eza bato baza na ba produit wana sur place e panaba. Et il y a Canada et Oumelaki, na douane pour que ba confirmer yango, na ba na service ya douane ya Canada, parce que vous voyez que biloko wana ezo bima, eza netite, eza ti. Avant que bima ekota sur les sols canadiens, soki diamba ba kokanga yango wana, ba kangi, nangai moutou na zosa la promotion, ba kangi na moutou ya produire atindi. Alors, soki Oumelaki na Canada, ezaki, ba toa douane, il fallait ba se rassurer, bah, tu as laboratoire, bah, c'est rassuré que biloko yo, ça n'a rien à voir ni na drogue, ni na bastimilant, ni ba biloko mosus, ou eza contre yakope sa ba canadien, na ba américain, bolembu pour que bas salaramisalate. Ici, question ya santé, na Canada, na États-Unis,
Et c'est très important que les cas n'aient rien de ces salles-là. C'est pourquoi ils ont quitté. On a tout libéré. Nous sommes dans le stock canadien, beaucoup bien à peine au Canada, aujourd'hui. Bah américain, beaucoup bien à peine en Amérique, aujourd'hui. Bah français, beaucoup bien à peine en France, aujourd'hui. Bah congolais, beaucoup bien à peine au Congo. Bah numéro ils ont les cas, aujourd'hui pour du nabino. Bon mes canards, nazos et labino dans 3 mois ici. Bah tout baso bela maladie à cause de la sucre mingi na kati nzoto. Donc la santé n'a pas de prix. Essayez. Bah on peut se bino son dengue, borosale la yango et puis borosale li et tout va bien se passer. Donc c'est un peu ça. Cacao ils a toujours en vente. Les autres se consomment toujours. Et puis mais nous allons changer beaucoup de choses peut-être à la fin de ce mois. Toroi bandengi ni makamu susu torosale la yango. C'est ça l'essentiel. Alors bandeko ya taxe. O bazo tunangai, tozo benga, tozo zwa suite, batu bazali, bazo zwa bino, un peu de patience. Il y a d'autres questions que moi-même, nazo zwa en charge. Nazo benga bango na États-Unis, bazo zwa ba question yon soubako zonge la bino, mon toutou a rosa la servi. Naibi ke batutuko, mingi ba Congolais toze la kado ne jour. Et tikali suko na biso, 10 jours ya pam. Sangisa document na yo, benga na numéro oyo, ba pesa yo programme. Au PSI, et s'il va travailler, bah donc c'est le résultat. Bah tout va travailler, bah ça déjà, na ligne qu'au PSI, nombre, mais beaucoup de Congolais, vous nous avez fait confiance, et beaucoup ont de bons témoignages, oh, bah c'est pas Sengikuna. Aux appels à problème, aux anambon, au tena maboko. Benga bango, il s'est pas on a la taxe, c'est pas nabino, mais bon, PSI, on a imbon, on a nano, 5 000, 7 000 $, bah au PSI. Et puis au sali taxe, bossé l'année plus tard. Bah étudiant, yo étudiant international, vous qui êtes sur les sols américains et que vous n'avez jamais fait de taxes, vous avez la chance d'avoir au moins des taxes pour 3 ans et ça peut te faire 3 000 $. Appelez numéro Nabis Oy. Donc, on expliquer, bah, on que Nazara étudiant, naibi magamova taxe, c'était bossonganga. Bah, on yo, bah, pêche tous les documents. Ba pêche document où il y a ba étudiant où ba zo benga aitin ba saleli au taxe et vous allez gagner au moins 3 000 $ du gouvernement américain pour vous. Ba nani mosus ba to ba zana ba business vous avez votre activité nano yebite comment ko sa la taxe tout ça, appelez toujours à ces numéros, dites leur que c'est de la part de Honoré na lingi bo songanga tala dossier nanga yo zo ba problème na IRS depuis des années. Il faut pas bon c'est le dossier n'avait ya ba taxe avec IRS benga na nini toza na ba avocat toza na ba spécialiste na makambu ya immigration na makambu ya taxe. Ils vont vous aider na lingi li soutute ba congolais to le la galelaka boleli pe mingi. Alors revenons sur l'actualité. Je vous ai dit que d'abord les choses vont très mal et puis ezo salabiso passi. J'ai parlé avant-hier concernant Makambuya Mama Olive Lembe avec papa Joseph Kabila Kabange. J'étais victime il y a... Bon, j'accepte ça. Il y a Rami Kolonyoso. Il y a Rami Kolonyoso, Nabandeko, qui sont proches. Il y a Mama Olive, toi, papa Joseph Kabila. Ce que je dis est que dans ma manière de parler, ce qui n'a nous, Boyo Kingaïté, dans ma manière de parler, je n'insulte jamais. Je reste sur les faits. Je les analyse de ma manière. Et puis, ceux qui n'ont analysé de ma manière, bato tout balanda kanga bayebi. Na tira la kofingate. Et puis, na tira la kofingate. Et ça, instruction, ma pesangaite. Si, ceux qui lobby, tu es sûr, nzambe au sambe la chaque dimanche, na RDC. Oyebi que j'ai insulté Madame Olive Lembe Kabila. Que Dieu te juge. Que Dieu, Azala, juge Yabiso, Yonangaï. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont dit des choses et des choses. Mais j'ai toujours dit aussi que rien de tout ce que vous pouvez dire là est cause à la intimidation pour que Honoré n'a changé façon Nangaï Rosa et la Moussala. Rien du tout. Que Dieu vous pardonne, je ne souhaite pas répondre. J'accepte tout ce que vous avez dit. Mais je reconnais que je n'ai dit que la vérité. Et je répète cette vérité que Joseph Kabila,
dès lors que Bissoba honoré Tozali, awa, vivant dans ce pays, Joseph Kabila retire la cause en pouvoir. Donc, d'abord, le principe est que, bah, Congolais, tout ça est belé, 120 millions, bah, tangana, bah, bah, tangate, yambon, on a, bah, bola, on ne peut pas garder le pouvoir, et ça l'a toujours pour une même famille. Ok, Ozongi, ok, soit l'Ekinayo, soit avec 120 millions de personnes, c'est impossible. Ça, ça doit être un rêve auprès de vous, vous tous qui m'avez appelé. Deuxième chose, si vous pouvez vous référer, na batunyo so balanda kanga, ma partenaire tout, oyo ba diffusera ba émission nangai na RDC. Ils vous diront que si Moïse Katumbi n'a pas pu avoir la chance de gagner ces élections parmi les gens qui ont aidé les Congolais à ne pas faire les choix sur Moïse Katumbi. Soki batangi, je suis dans les top 5. Je sais le travail que j'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait, je ne suis payé par personne. Je l'ai fait pour l'intérêt du pays et je le ferai également. Quand il sera question pour vous, comme vous le jurez, que Joseph Kabila a son pouvoir, l'Oba peut-être chez nous exacte. Mais même sur chez nous exacte, je connais beaucoup d'autres canaux à travers lesquels je vais parler et expliquer aux Congolais pourquoi ne plus avoir quelqu'un au pouvoir du nom de Joseph Kabila, même sa famille. Et là, je reste comme ça. Sauf qu'on continue, menace tout ça, j'accepte. J'accepte des menaces, parce que quand j'ai commencé ce genre d'émission, je m'attendais à tout ça. Je pense que j'ai tout dit, je m'arrête là. Je reviens sur cette question, chers amis. Les choses sont évoluent très mal, puisque d'abord, vous avez suivi que notre ami ici, quand j'ai dit notre ami, c'est quelqu'un avec qui je partage très souvent beaucoup de réalités. Il s'appelle Joël Kitenge. Peut-être vous pouvez bien le connaître. Un analyste aussi important que vous aimez aussi. Bon, j'enlève, excusez-moi, on doit enlever certaines choses. Un analyste que vous aimez, il y a des gens qui nous soutiennent. Ce qu'on continue à studio Nabisso, vous verrez que les studios vont changer. Il y a des gens qui nous soutiennent, même s'il y a d'autres qui ne veulent pas. Joël Kitenge est enlevé. Joël Kitenge est porté disparu. Personne n'a des contacts de Joël Kitenge. Depuis lobby, on a 11 heures. Les lots, on a 11 heures, donc c'est déjà 24 heures. Tolalia ou Tolamouki lobby et qu'on a 48 heures. Or, ces gens, je pense qu'ils ne dépasseront pas 48 heures sans que va présenter Joël Kitenge et pas à juge Naye, Ayeba, pourquoi il est enlevé. Est-ce que Joël Kitenge est vivant? Joël Kitenge est mort? Personne n'est en mesure de vous dire que oui, je lui ai parlé. Place à Azali et Yebanite. Téléphone Naye, famille Naye, Yebite. Les téléphones sonnaient, Tiekeye s'est déchargé, et Zandengwa Rezo le Kalisu Souté. Joël Kitenge, ce qui lui est arrivé aujourd'hui, je pense que peut-être moi je serai le prochain sur la liste. Mais ce que je vous demande, chers amis, est que même si les gens qui sont au pouvoir ne s'occupent pas de nous, là je parle de Joël et de moi. Vous pouvez vous occuper de nous. Aidez-moi personnellement. Chers amis, tout ce que Joël Kitenge dit, dans notre principe, ce que Monique Moutoualobi, réalité, révélation, moko, et c'est pelicioté. La solution pour la RDC, ce n'est pas pour d'autres pays. Bon, la RDC et les Rwanda. La solution, c'est de chercher, toi, c'est qui, pourquoi tu as parlé de ça? Bon, l'éveiller, Boketchaena, Cachot, Yabino, torture, et puis finalement vous les lâchez. Vous n'avez pas résolu le problème. Puisque ce que vous faites à Joël, attendez-vous que moi aussi. Donc, Bosali, dossier Joël à l'obéli. À l'obéli, à Yemoko, Bokangi. Maintenant, quand nous tous, nous allons nous interroger pourquoi il a été enlevé, pourquoi il est arrêté, vous donnez l'occasion maintenant
à tous les chroniqueurs politiques d'en parler. Maintenant, chacun, Bokangasiko Bangotu. Vous voyez que vous avez très mal agi. Puisque maintenant, tout le monde sait, tous les chroniqueurs, que ce qui lui est arrivé peut leur arriver un jour. Alors, parlons. Parlons en commençant par les cas de celui qui est arrêté maintenant. Alors, maintenant, moi, je vais me permettre de parler de ce problème, mais aller loin avec de preuves maintenant. Je pose la question. Moi, maintenant, je suis obligé d'aller à 100 km là où Joël était à 20 km. Cette affaire. Joël a bêté en Olisolo, peut-être 20 à 30 km. Je suis prêt à aller jusqu'à 100 km. Naloba, puisque j'ai peur de toi, ou bien Naloba, t'es na bomba, puisque, écoutez, ou soit Naïb, ça va congolais, pourquoi Joël est arrêté? Nalobelaki Makambo, Mokwa, était l'armée. J'ai gardé d'autres noms, ainsi de suite. Joël est allé trop loin. J'ai beaucoup de choses sur ce que Joël a dit. Donc, vous nous demandez maintenant, il ne fallait pas Bokangaye. Il fallait Bosolo Lanaye, Namalembe, Bobengiye, Bolobi, Toyoki Makambolobi, mais pour des raisons peut-être, il y a de ne pas peut-être aller loin, Torosenganayo, que Zonga peut-être au Bandela. Voici nos preuves entre nous. Non, mais audience, il y a Joël, et c'est la même audience qui suivra cette rectification. Ou soit aujourd'hui, Bozana va charger des communications, Bozana va ceci, Botini Bolobi, dans la même émission et dans les mêmes timings, va donner la vraie version et le dossier est clos. Mais quand tu te permets de dire, je suis dans mon bureau, allez me ramasser ces petits-là, jetez-le en prison, ah, ce n'est pas tout ce que nous vivons a été déjà vécu. Tout ce que nous savons est ce que nous ne savons pas. Tout savoir est un pré-savoir. Tout souvenir ici est un pré-souvenir. Alors, moi, je demande à tous ceux qui ont arrêté Joël Kitenge. Sur le dossier, on a écouté, on a mis ça, avec beaucoup d'hésitation. Vous avez ouvert les robinets. Vous avez ouvert les robinets, puisque tous ces Congolais qui nous font confiance, comment le pays évolue. Si vous voulez gérer le pays, Ndenge Bolingi Karwana. Je ne pense pas que c'est maintenant cette époque ici. Époque où on a Bozalaka à la RTNC. Vous donnez ce qu'il faut à la RTNC. Dis ça, ne dis pas ça. À l'objet Bolongolie. Mais ici, Bokoya Kolongolanga et la chaîne en Haïti. Soki Bolingito Kende Moussikate, avec tous les détails que j'ai sur ce dossier. Joël Kitenge, à ça la 48 heures, t'es dans la prison. Chers amis, moi, je vous ai toujours dit que même tout ce que nous faisons, moi, je n'ai pas quelqu'un derrière moi qui me dit, va dire ceci, va dire... Non, moi, je pense à ma population, à mes fidèles qui aiment bien suivre quelque chose dans mes émissions. Mais avec ce genre d'intimidation, je l'ai toujours dit, je suis à Kinshasa, nazo kokakoko matin na ba store, na ba magasin, au côté à l'aise, comme citoyen qui défend son pays à l'aise. Non. Je ne suis pas en mesure d'aller manger dans un resto, ba toutou toza tovandi. Je suis à Kinshasa, c'est lui qui m'a déjà vu dans un magasin à Tombola Moussapi. Tu marches dans ton pays dans la clandestinité, alors que tu ne touches rien du tout. Moi, j'ai toujours appelé des gens ici. S'il y a un ministre qui sait qu'il m'a appelé un jour pour me donner 100 dollars, Yapam, dans sa poche, Honoré va dire, ou soit Kokenorobate, je veux te remercier. Un membre du gouvernement, il peut m'appeler à téléphone ouvert. Je vais prendre un appel ici. Et je vous mets en direct. Là, c'est les membres du gouvernement. Je vais aller même plus loin. Même dans la famille biologique du président de la République. Même dans la famille politique. Quelqu'un qui sait qu'il m'a, moi, honoré. Déjà donné un 100 dollars, tout simplement. Il y a Kolobaté, ou soit il y a... On est content du travail que tu fais. Chers amis, si ça m'arrive aujourd'hui la nuit, je n'ai aucun appel, aucun numéro de quelqu'un que je peux appeler, viens me secourir. Vous pouvez vous imaginer. Je n'ai aucun appel. Je n'ai aucun appel. Que Yelinga Nabutu, Bobengelanga Moutoutela, Yako Sala Intervention. Nous faisons tout ce que nous faisons ici,
c'est pour l'amour de mon pays. Et si peut-être tout à l'heure qui moi moqué catholique un peu dans l'année passée, dans quinquennat passé à président de la République, je ne laisserai pas ici. Je ne laisserai pas. Si je vis au moment que on aurait vu, il est en bonne santé, peut-être dans Kinshasa, aucun homme politique, aucun membre du gouvernement, aucun membre de forces armées, aucun. Celui qui a une petite preuve me donne ça ou m'envoie ça ici. Mais je suis insulté tous les jours ici. Tu sais ce qu'ils disent? On lui a donné ici. On a fait ceci. Bazo profiter de ceci. Des profiteurs, des fanatiques. Mais quand les gens parlent et que vous nous remerciez de cette manière, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer à nous. Et je vous jure que j'ai la possibilité de faire tomber certains ministres. J'ai la possibilité de faire tomber certains ministres. Mais je ne souhaite pas le faire. Et à la netteté, bras de fer, nous faisons un travail de sensibilisation, de communication et comme un travail de chien de garde total à Rabino. Je peux faire tomber certains ministres avec des preuves à l'appui ici, en RDC. Mais si Tolobi Bozo Ganga, Bazolo Bozo Kangisa, ça va. Mais sachez que là où vous êtes, il y avait quelqu'un d'autre qui était là. Et celui-là même n'était pas le premier. Et vous ne serez pas le dernier. J'ai vu le président sénégalais quand il a parlé. Il a promis que je vais engager des réformes pour protéger des lanceurs d'alerte. Ce sont ces gens qui font aider les pays à ne pas battre soit on a un détournement avec les Bazaka Mutuatali. On donne de l'argent à quelqu'un. 500 000 dollars. Il est lui-même, il se permet de détourner 400. Et 100 atin dans la Moussala Bapessier. Ce sont ces gens qui aident les gouvernements. Et parfois, ils parlent, les autres ont peur. On peut tomber sur mon dossier, je suis foutu. Mieux vaut que tu n'as pas le salaire au Bazo Pesanga. Et finalement, on a. Natika ta 400 et celle de l'amboka naiba ta 100. Mais ici, on fait le contraire. Le président sénégalais promet une protection pour les lanceurs d'alerte. Qui sont ceux qui ont lancé alerte boye et la nuit on les cherche, ces gens seront protégés. Moi, je pense que si notre gouvernement comptait sur le travail que nous faisons, moi, je ne pouvais pas manquer un policier. Peut-être quelqu'un s'est dit, on les paye pour toi. Je ne pouvais pas. Les gens comme de Joël Kitenge, les gens comme de Gustave Kalonji, les gens comme Jean-Claude Mubenga, les gens comme Blaise Mukenge, les gens comme qui disent les choses. Ah bon, c'est comme ça. Et ainsi de suite. La scène à que j'ai raté. Bon, je ne souhaite pas vous parler de ça. C'est moins important. Mais des menaces, même des morts, je les reçois chaque jour. Et en même temps, je n'ai aucun numéro que je peux appeler urgence, urgence, sur mon numéro, Honoré a un problème. Azate. Bon, que Dieu vous pardonne et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Chers amis, aujourd'hui, je vais vous donner un truc. Je vais vous partager une révélation. D'abord, la question de FDLR, je suis content parce que nous en avons parlé. Dans tous les sens, nous avons montré tous les petits pièges, moi, risque et amiqué autour de cette question. Et heureusement, les gens ont écouté. Et il y a eu le professeur Ntoumaloaba, que vous connaissez bien, qui était le chargé à Makambo, mécanisme au niveau suivi de différents rapports au niveau de la région de Grand Lac, qui a réuni les experts à l'école militaire de Kinshasa aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense bien. Et ils ont tiré toutes les conséquences possibles. Alors, je pense qu'une position de la RDC sera communiquée non seulement au Rwanda, mais aussi à toute la communauté internationale qui veut faire de cette question, il y a FDLR, une question qui justifie. Donc, ils ont dit que Rwanda, Robi, Pembe, que
tu y as raison d'aller attaquer la RDC derrière ce que tu appellerais ou le FDLR. Alors la RDC a compris tout ce que nous avons toujours dit. Et je pense que je peux me dire fier de ça, puisque Nayoki, j'ai montré ici des tweets, des messages du Rwanda qui viennent. Ah, voilà, ils sont allés accepter que les FDLR sont en RDC au Rwanda. Nini les sous Makouanga. Alors, et comme il y a un chantage du côté au Rwanda, alors j'ai dit, je ne dois pas rester bouche bée, je dois expliquer aux Congolais ce qui se passe. Et c'est dans ce cadre que nous attendons impatiemment les résolutions. Mais moi, je pense que les grandes résolutions viendront du Parlement pour bien statuer sur la question de FDLR. Est-ce que nous avons des groupes armés étrangers ici? Sokiboza, nous ordonnons à l'armée, Bachata pour ce groupe-là, qui a 100 personnes, 200 personnes, si vous ne déposez pas des armes, 1000 militaires ou 10 000 viendront pour vous désarmer des forces. Soit vous choisissez d'être réfugiés ici, comme d'autres réfugiés politiques, et ou soit vous retournez chez vous et vous avez un temps record. Et ça, c'est notre armée qui doit avoir le quitus du Parlement, une loi qui dit tout celui qui va résister, c'est un ennemi, avec une arme en main, il faut l'abattre. Ou soit c'est lui qui va vous abattre. Et tout ça, c'est clair, les parlements doivent faire aussi un travail. Même chose avec les Banyarwanda, qui sont aujourd'hui des Banyamulenge, expliquer les statuts de chacun. Tosali séminaire Mobimba, membres et société civile, ainsi de suite, parlement, pour statuer sur la question des Banyarwanda. Sont-ils des Congolais? Oui, ils doivent se comporter comme tous les Congolais de toute la RDC, sans discrimination. Sont-ils des étrangers vivant en RDC? Ils doivent faire les choix. Qui sont-ils? Ils sont au nombre de combien? Où sont-ils localisés? Et ça, c'est un travail de chez nous. On n'a pas besoin de faire toujours des lois, tout ça là-bas, loi, pendant que nous avons des problèmes, puisque loi, c'est pour aider les pays. Et ces problèmes, c'est contre même ces pays et nous risquons de perdre même une partie du pays. Donc tout ça, moi je demande à ce que le Parlement prenne cette question de l'Est. Moi, j'ai porté le plan d'ériger un mur d'abord, en attendant, toi, quand tu as la maramoussous après, mais Batmoussous, on a dit que ça ne passera pas, puisque je n'ai pas un soutien quelque part de parlementaire pour ça. Vous dites que le son n'est pas bon? Vous êtes sûr? Mais vous vous mettez déconnecté, non? Qui dit que le son n'est pas bon? J'ai changé même de son. Merci beaucoup. Mokolompe est de retour comme membre permanent de la chaîne HK2D. Merci beaucoup, mon frère. Je sais qu'il y a des gens qui aiment nous soutenir. Je vois des gens qui sont membres chez HK2D. Ils sont membres chez Kalonji TV. Ils savent que ici je peux tirer quelque chose de bon pour mon projet, pour mon pays, ainsi de suite. Bienvenue, bon retour, Mokolumpa. Il était notre membre, mais à Tikabiso, Menamoni Azongi. Alors, j'ai partagé les liens. Si vous voulez devenir notre membre, je vous partage les liens. Et vous tombez tout de suite sur cette histoire-là, ces liens-là. Et vous pouvez devenir notre membre, notre partenaire, soit HK2D. Tozan a quatre formes de partenaires. Tozan a HK2D Family. Tozan a Superfan HK2D. Tozan a nous. Wana, ce sont des gens qui ne jurent que sur la vie de cette chaîne. Et puis, Tozan a membre d'honneur. Nous avons réservé des képis et des trainings pour des membres d'honneur. Et peut-être pour d'autres de Superfan. Donc, une manière de nous encourager. Bisopé tozo encourager yo na ndenge wana. Donc, c'est un peu ça. Donc, bref, la question a été résolue comme ça. Ma proposition est que les dossiers Yaba FDLR, Yaba Nyarwanda soient bien exécutés, soient bien étudiés dans cette législature. Comme ça, même Tshisekedi le Rakotika, Atika Mboka, Penzar et Vandi na Matuka na Honyos Misato. Olingite za la Kotenga. Et Kozala ya Kotenga ma. Avec tout ce qu'il y a. Moi, je ne vois pas Kabila, Enanga et les autres. Moi, je vois les Rwandais et tout ce qu'il y a comme partenaire du Rwanda derrière. Je vais en parler ici tout à l'heure. Alors, l'autre chose, c'est que
Ça, c'est une urgence. Avant que je ne passe à autre dossier, je demande au gouvernement congolais, ceux qui boyoka kanga ipe, boyoka kanga, prenez des dispositions pour sécuriser, pour arrêter ou limiter les mouvements ya ba Rwandais nyonso d'une manière générale avec les Congolais. Na ba frontière na biso nyonso. To senga na bino bokanga frontière tilelo. Ngai na boyebisa biso ambassadeur rwandais to longola ye na RDC to bengana yi. Mais l'air na zo sala enquête na ambassade ya Rwanda. Je vois ce bureau là ouvert. Na ebite, est-ce que en parole, l'ambassade a été fermée. Et sur le plan peut-être d'activité, l'ambassade fonctionne. Je vous ai expliqué une mission d'une ambassade dans un pays. C'est une plaque tournante, il y a espionnage. Pour l'intérêt de ces pays-là, dans les pays où l'ambassade est installée. Est-ce que nous pouvons voir clair? Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'ambassade ya Rwanda est fermée en RDC? Ce qu'elles ont fermé, je retire cette parole. Ce qu'elles ont fermé, pourquoi vous ne nous dites pas la vérité? Bon. J'ai dit autre chose puisque j'ai proposé ça. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Et aujourd'hui, j'insiste pour vous partager un rapport du Sénat rwandais. Je vous partage l'écran. Et ça, c'est pour tout le monde. Je vous partage cet écran. J'ai besoin que Botang et Langaï, article Oyo, na, place na souligné wana. Ça, c'est sur une chaîne. Ça, c'est un site officiel d'une chaîne du Rwanda. Alors, un site officiel d'une chaîne au Rwanda. Naibi ke ba Rwandais tout ba vandi ba zozela. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quelque chose ici. Et je n'ai pas peut-être honte de dire. Mon problème, c'est de sauver la République. Voilà. Si toi, Nassok Botali, lobby gouvernement, non, Sénat rwandais, bazaki na. Na lina augmenté écran, nazo e bate place ni nako. Nako. Nako matisa écran, écran, oui. Bozela na luka comment augmenter. Ah, nazo e ba écran, oyo. Depuis que je suis en train de tenter. De tenter nini moi Babilo Asika sur mon logiciel ici. Aïe, Eza Mouke Makasi. Je dois, s'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes. Na lingina na augmenter le bino et loco. Comment je vais augmenter Zoom? Je suis en train d'étudier d'autres nouveaux programmes. Ah. Bokoli Misangai vraiment. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Zoom, Nazo Monata. Oh là là. Ah, je peux peut-être trouver ici. Ok, voilà. J'ai trouvé. Ah, Nazo, rappelle-moi, Maël. Alors, ici, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait été allé chercher. Alors, vous verrez que le Sénat, hier, le Sénat a parlé. Ça, c'est en anglais. Je cherche la version française. N'habite sur ma pèse en anglais. Non, oh là là. Bolé Misanazui, version française. Bon. Hier, Bodelana, Nalak Sabino, des détails. Bato Bazo Tang en anglais. Bogoy Kotanga. Mais, je vais vous donner la version française. Si vous voyez là, c'est l'article publié. Le 3 avril 2024. Les lots, les 4 avril 2024. Au Bazo Lobela Makambuya, il y a VIH SIDA. Na Rwanda, question, ils ont un débat, il y a un sénateur, na parlement, na bango. Ils disent ceci. Ils disent, je vais vous donner juste la synthèse. Ils disent, ils déclarent ceci, que, bon. Bazo déclaré na katia nini na bango que
Naba enquête basali. Naba enquête basali. Ba sénateur bazo s'inquiéter plus. Puisque na enquête basali na Rwanda. Entre âge, donc basala on a ba âge union. Âge ya liboso isa de jeunes de 19 à 24 ans. Résultat isa inquiétant. Bato ba nima ki kokende ko sel ce test. Baza na ba jeune union du Rwanda. Rwanda isa munenete. Tranche o yo na pesi 35% ya population ya ba jeune. Baza contaminé na VIH sida. 35%. Basala kango lisusu na étape ya de 15 15 à 21. Donc basali niniwana espace nyonso na soki bozui article oyo bo traduire en gona français pour comprendre bien comment la situation est plus que préoccupante pour nous. Vous me posez la question, c'est quoi Yabiso Ezawapi? Yabiso Ezanine? Yabiso Ezake? J'ai donné dans mes émissions une fois de jeunes Rwandaises qui témoignent que nous avons été envoyés pour transmettre la maladie aux Congolais. Et cette jeunesse, la plupart maintenant dans la politique de l'autre côté, qui sont aujourd'hui reconnus comme portant le VIH, ils sont recrutés dans l'armée et jetés sur les sols congolais. Et sur les sols congolais, ils violent les mamans sans distinction. Ils violent les jeunes filles sans distinction. Alors, et si comme on dit que ces gens, on ne peut pas beaucoup investir en eux, bah, na kosa la ba technologie, bakken kosa la médecine, bakken kosa la droit, c'est autre chose. Chers amis, je parle régulièrement avec mes sources au Rwanda. Alors, les pays que je vois exposés, puisque le Rwanda, Gisenyi et les autres, c'est comme un quartier de la RDC. Bozo Rwanda, na kotchela bino Rwanda ici, c'est comme un quartier de la RDC. Alors, si cette politique est là, et ce sont ces jeunes, Yabasi, on les envoie na mission pour faire la prostitution na nord et sud Kivu. Et elles font leur prostitution avec des Congolais. Elles accordent même leur corps gratuitement aux Congolais. Sachez que nous sommes sur une pente dans cette partie du pays. Est-ce que les services de santé, vous pouvez vous saisir de ce... Puisque, ma persistance à Batoyo, qui sont 35% des jeunes. 35%. Et cette enquête a été faite presque dans tous les pays. Au Nyon, on va obliger à aller canatest, on va 35%. Mais c'est presque la moitié de la population. Au Bakimi, Baboy Kosai sa test, vous savez, ils sont au nombre de combien? Et ils sont tous au nord-sud Kivu. Alors, moi, j'ai alerté. Il est temps que notre pays prenne des dispositions dans la frontière en Abisson. Non seulement pour arrêter les militaires qui viennent. Excusez-moi, je vérifie quelque chose. Je reviens à vous tout de suite. En attendant, nous suivons. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable. Originaire d'Afrique, le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques,
et ça aucun effet secondaire. Et tu fais des merveilles. Voilà. Donc, je pense que je suis clair à ce niveau-là. Essayons de voir qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas une manière de vous inciter à créer beaucoup ma ennemi, puisque la personne affectée aujourd'hui par le VIH, et si vous allez encore la rejeter, et que vous m'ayez couteau et qu'affecté y est doublement. C'est question pour nous de trouver des solutions, des stratégies, puisque vous savez que tout le monde, même tous les rapports, j'ai été en train de lire dernièrement les rapports, il y a Fondation Bill Gates qui pense qu'en 2050, les pays les plus peuplés en Afrique, c'est la RDC, suivi du Nigeria. Donc, RDC, Torozala, Mingi Koleka, le premier pays où il a battu Belén en Afrique, en 2050, est la RDC. Alors, s'il y a des gens qui ont... Et Belén Abisso constitue une force, mais pas une force, il y a Bouzoba. Il y a Tozo Salarien, on ne sait pas protéger nos frontières, on ne sait pas, Baka, nous sommes une force. Les gens utilisent tous les moyens pour nous détruire. La guerre nous détruit. Chaque jour, on enterre des gens. La maladie aussi peut nous détruire et nous pouvons perdre toute une bonne partie de la jeunesse congolaise. Trouver une solution. Alors, Tolo Beladossé Nabisso, et c'est ce qui va nous permettre de terminer cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose? Y a-t-il quelque chose de mauvais au Nalobi? Il est à l'ANR. D'accord, il est à l'ANR, c'est bon. Le quoi, l'Azan à l'ANR, va signifier pourquoi on l'a arrêté et puis bah, c'est un d'accord. Oya, yébi, que bako, c'est lié, makam. Ayaka, na plateau, y a du joré qui tenge. Asa l'a démenti et les choses passent. Alors, merci beaucoup. Je ne vois pas qu'il y a un problème. On évolue avec notre réflexion et révélation d'aujourd'hui. Alors, Basali ba ambassadeur awa, Basali ba nommé ba ambassadeur awa. On a nommé un ambassadeur congolais en France qui s'appelle Bana France Boebi Komonae. Il s'appelle Emile Ngoyi. Je vous montre, je pense qu'il me suit. Mon problème, c'est de parler de la RDC dans tous ces. Professeur professeur Émile Kasongo, je vois cette publication dans Rwanda, Bazomikumisa Balobi. Émile Kasongo est allé rencontrer Louise Michikiwabu, qui est bras droit à Paul Kagame, na France. Est-ce que je me pose la question? Ceux qui rencontrent Oezala, rencontre normale, que Ekoki composé, que tirer l'attention à Bissoté. Les Rwandais ne pouvaient pas prendre ça, na ba publication na Bango, que la diplomatie entre la RDC et les Rwandais marche bien. Vous pouvez refuser des photos de famille, mais sachez que la RDC ne peut pas vivre sans les Rwandais. Nassimi Moutou, Nalobi, puisque Émile Kasongo est allé rencontrer Moïse Oyo, pendant que nous disons que les autorités rwandaises, avec un Congolais, elles ne sont pas sérieuses. Bakoloba vérité, t'es sûr, 10, Bakoloba Sabino a deux vérités, 8, t'es à l'Okuta, 8, ils pensent comment nous détruire. Quand je vois les communicateurs du Rwanda s'acharner sur cette publication, je me suis dit qu'il y a quelque chose. Et je veux moi-même m'interroger sur ça. Professeur Émile Soki Nalobi et Tungi Sayote, puisque Nayoki Nazakaba enquêté pour Kenabomba. Quand je vois qu'il y a quelque part quelque chose qui humilie notre pays, j'en parle. Et avec mon cœur et mon énergie. Est-ce que vous êtes allé voir cette dame? Dans les cas, puisqu'il fallait yaya l'ambassade. Là, il fallait yaya l'ambassade en France. Au longue aux huit délégations au Ketalaye.
Makambusko Bosololi. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la RDC? Parce qu'on a dit que les gens à Minitoyo, Bazobunda, Balongola, Tolongo en francophonie, ces gens ne nous aident pas. Est-ce que pourquoi vous n'avez pas communiqué cette sur les sites de l'ambassade que j'annonce une visite, peut-être de courtoisie, ça peut arriver, et ça l'a mis de manière clandestine, côté Nabiso Baebi et le côté. Mais côté Rwanda Baebi, que Yozala Kikuna, Batinelli Bango Photo, il y a réussite, tout succès, il y a Masolo Bosololi. C'était quoi? Est-ce qu'on connaît ça à la pointe de presse? Oui, c'est Biso Ba Congolais. C'était quoi ce que vous êtes allé dire ici? Chers amis, n'oubliez pas que Émile, le professeur ici, Émile Sokingoi, il était bras droit à Rwanda à travers les RCD. Et aujourd'hui, le Rwanda est capable d'utiliser tout le monde qu'il a déjà servi n'a passé, qui est prêt à les servir n'a présent pour préparer son futur sur la RDC. Ngai na komele la mutumbondote. Côté na biso eleki na mulili, côté na bango eleki na moyi, il loue la diplomatie, il chante que la RDC, on peut nous éviter en amont, mais en aval, la RDC a besoin de nous. Vous êtes allé lui dire quoi? Je suis curieux. Vous êtes allé lui dire quoi? Des bons pour la RDC. Or, cette dame, c'est Kagame. Donc, Kagame en robe ou en jupe. Pendant que Monique, premier ministre, na francophonie, a boy kokangisa, kope sa yembote, a boy kokangisa, photo na ye. Ça m'a le compte. Yo longo okeyi. Soke de la kaye n'ambassade. Okangelie porte te, c'est normal que l'ambassade, c'est la RDC, on peut tout recevoir. Mais lo, yo l'air okeyi. Moi, je souhaite que Batouba pèse ce lien, que vous puissiez expliquer qu'est-ce qui vous a poussé d'aller là-bas. C'était comment le contenu de votre discussion et pourquoi ça devient un objet ou un moyen de chantage du côté du Rwanda. Je peux vous donner des tweets là où j'ai pris ça. Et vous allez voir que soit vous nous avez trahis, soit vous avez parlé en bien pour les comptes de la RDC, de l'Unipeto et Bayango. La RDC n'est pas pour un individu. C'est maintenant la RDC, c'est pour tout le monde. Pour la Yo, pour Nanga, pour la Bisognos. Donc, si vous ne nous dites pas la vérité de ce qui s'est passé entre vous deux, si vous avez signé un accord, si vous avez fait des promesses, il faut que peut-être les gouvernements soient au courant que, en tout cas, l'ambassade de la RDC en France est en train de soit négocier, est en train de faire n'importe quoi avec les Rwandais. Là, c'est bien. Là, c'est une très bonne chose. Je vous en remercie. Alors, terminons avec ce qui s'est passé derrière ici, vous voyez. Sur notre écran, on va nous balancer autre chose. Parlons de... Non. Oyo, on a tiki devoir à domicile. Oyo, on a tiki devoir à domicile. Binopebo ben nga boloba. Honoré, moi, j'étais témoin de cette rencontre-là. Voici ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit ça. Alors, l'autre dossier pour terminer, c'est celui-ci. Je vous amène aux États-Unis. Chers amis, nous avons toujours parlé. Moussa Lanabiso s'est délancé des alertes. Les autorités congolaises, je reviens pour la énième fois. Bossa Lanetti, président sénégalais. Il protège tous les lanceurs d'alerte. Que derrière eux, les pays, les infos sortent. Bamiyibitu Bazobanga. Tous les plans contre le Sénégal, Eza maintenant, sinon il va parler. Protéger nous aussi. C'est pour les pays que vous gérez là. Donc, c'est un peu ça. Alors, Soki Botali et Lokoyo, nous sommes à l'ambassade du Rwanda aux États-Unis. Soki Botali même, pour mon photo, il y a mon tongoa, les corps diplomatiques rwandais, mais vous allez voir la présence significative de l'armée américaine. Qu'est-ce qui s'est passé?
La chanson qu'on nous a toujours, chanson Babette Larabisso, partenaire, tout ça. Moi, je pense qu'il faut oublier cette chanson-là. Boy, ça va peut-être te recomposer chanson Moussous. Vous vous rappellerez que je vous ai montré les rapports ici. Que les armes qui sont entre les mains du M23 viennent des États-Unis et de la France. Dans le Baka Yango, et certaines personnes pensent que non, on a dit que l'Ukraine reste la plaque tournante. Il y a ravitaillement, il y a Minduki, naba réseau mafieux, et puis l'Afrique. Toutes les armes qu'envoient les États-Unis, dans la plus grande partie, et comme en Ukraine. Et comme en Ukraine, un réseau bien organisé, ça change de direction. Et la plupart des armes, selon ces rapports, et aussi la destination finale, c'est l'est de la RDC. Les rapports même de la Russie l'a dit, l'a confirmé. Je crois que Bato Boulanda Kinga, il y a une semaine, j'avais montré ça. Et vous avez vu la Pologne venir na Rwanda, promettre tous les appuis possibles, militaires, matériels, tout, que Rwanda déclenche la guerre aujourd'hui, compte sur la Pologne. Nous sommes là et nous allons tout te donner. Et quand je suis allé trop loin, j'ai trouvé que ce n'est pas la Pologne qui a parlé. C'était les États-Unis. C'était l'OTAN qui a mandaté Pologne pour que Bayako rassure soutien militaire na Rwanda, quelles que soient les menaces qui viendraient du nord ou du sud. Et là, on voyait la RDC. C'est quand le président a dit que nous sommes prêts à faire la guerre à celui qui nous provoque, qui est, bien entendu, le Rwanda. Tovandi, nous avons analysé ça. Tolali Tolamouki, c'est l'Union européenne. Dans les trois mois ici, dans les trois mois Otobandi, janvier, février, mars, c'est l'Union européenne, poussée par la France, qui encourage plus de 20 millions de dollars uniquement pour achat de matériel à donner au Rwanda. On a habité au Rwanda. C'est pour vous montrer que on est en train de préparer la guerre contre la RDC. Basali, Union européenne, a validé Mbongo Naye, 20 millions, appui militaire, matériel et militaire au Rwanda. Les Basali, Wana et Sili, ils sont sûrs que les choses évoluent bien. Dans les mêmes trois mois, ils les signent, ils prennent le Rwanda comme le seul fournisseur de matières premières recherchées dans la nouvelle technologie, dans tout ce qu'il y a comme évolution, il y a un monde aujourd'hui technologique que la seule personne en Afrique, c'est le Rwanda qui nous donne ça. La même Union européenne sait qu'au Rwanda, carrière Mokote, ni il y a or, ni il y a coltan, ni il y a nine. Natika la komonate. Peut-être Bogoli Misangai, Nazape Moutou, Nako Bosan. Mais vu la manière dont je connais ce pays, tout ça, c'est quelque chose. La guerre se prépare. Kabila vous a dit hier que la guerre se prépare. Et quand maintenant la France, déjà prêt à accorder, déjà Biloko en Ezoya, Ezoya en Rwanda, prêt à accorder, Bayoki, Japon a Bengisi, président Félix Tshisekedi, pour la visite officielle. France paix à Bengisi. Félix Tshisekedi pour la visite officielle. Vous savez qu'il est invité par la France à la fin de ce mois ici. Visite officielle de travail. La question, c'est la sécurité. Je pense que peut-être on lui dira, n'ose pas attaquer les Rwandais. Tu t'arrêtes là où tu es. Puisque je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont encore lui proposer comme solution. Vous appuyez toujours les Rwandais. Et puis même, c'est la France qui nous a annoncé que missiles armes anti-missiles et dans la RDC, dans l'Est, donc armes, c'est de la fabrication rwandaise. Non,
française, ça vient du Rwanda. Et la direction générale, il y a sécurité de l'extérieur de la France, confirme que oui, l'arme est là. C'est la fabrication française utilisée là-bas pour le Rwanda. Personne n'a condamné ça. Ça vient du Rwanda, c'est entre les mains du M23. Personne ne s'est occupé que comme il s'agit d'une arme française. Et c'est nous qui avons dévoilé ça. Puisque ça ternit l'image de la France. Silence à radio. Et ils nous ont imposé indirectement les cessez-le-feu à rien. Je pose la question, est-ce que Boyokara, depuis qu'il va annoncer, que ne décollez pas, sinon on va vous tuer, il y a une arme sur place, notre arme est sur place. Bah, on ne va pas passer information. Bah, il s'est dit, c'est le feu aérien, l'M23 n'a pas de Sukhoi, vous aussi, vous ne pouvez pas utiliser vos Sukhoi. Qu'est-ce qu'on lui dira à la fin de l'année, Toyebite? Pendant ce temps, les États-Unis renouvellent son contrat en armement au Rwanda. C'est la question qui était sur la table en train d'être traitée à l'ambassade de... Et ici, c'est l'armée, les hauts gradés de l'armée, qui sont venus de l'État de Alaska, si je ne me trompe pas. Je vais encore vérifier l'information. Pour une séance de travail, ce qui est de combien de jours? Objectif? Comment armer les Rwandais jusqu'aux dents? Et malheureusement pour moi, cet accord a été conclu, a été arrêté. Tout a été conclu et le projet va commencer incessamment. Incessamment. Voilà pourquoi on leur a donné de package quand vous allez au Rwanda pour lancer ces nouveaux financements à long terme même. À long terme, voilà, ne manquez pas visiter les Rwanda ainsi de suite. Si vous voyez ici, vous verrez que les plans a été très bien conçu. Ça, je peux mettre sur l'écran, mon écran. Voilà. Vous avez vu Visit Rwanda après leur séance de travail. Voilà. Tout ce que je peux vous dire est que ceci, c'était encore un plan. Nous avons essayé, puisque financement, oh, Isaiah Bosote. Oh, Wanana, nous facilité, on renouvelle, mais ces renouvellements, ce n'est pas dans la catégorie Ndengezala Kiliboso. Ici, ça augmente encore beaucoup et encore. Et je vois ici les malheurs de la RDC. Puisque je vous ai montré comment toutes les armes qui circulent, d'où ça vient. Et encore l'arsenal, vous avez vu que les États-Unis continuent à déclarer que nous demandons au Rwanda de quitter les sols congolais. Nous avons des sanctions. Nous demandons au Rwanda d'arrêter les soutiens ou de quitter sur les Toyoka Yango et puis comme Bololo. Pourquoi il n'impose pas des sanctions? Sanctions contre les Rwandais, puisque tu es illégalement sur le sol Yabaninga, c'est de te couper d'autres financements. Mais quand on ajoute un financement au même pays, il va se reconnaître que non, ne soyez pas sur le sol congolais. J'ai mal au cœur. J'ai dit, ça, c'est un plan contre le pays. Je ne sais pas si vous... Moi, je suis à côté. Vous comprenez peut-être les choses autrement. Quand on dit que nous demandons... Dans tous les rapports, nous demandons... Awasuko, les États-Unis dans le Conseil de sécurité exigent à ce que la RDC ne soutienne pas les Wazalendo. Qu'on élimine les Wazalendo, c'est un groupe armé qui perturbe la sécurité dans la région de Grand Lac. Et vous comprenez que sans abisso y a pas ennemi. Ezo comme toujours large, puisque tu es pas quitté qu'un jour tu remontes en Pologne aller au secours du Rwanda, tu es prêt à affronter n'importe qui compte sur nous. Nous la Pologne c'est petit, nous là c'est l'autre derrière tout le monde ici. Maintenant posons-nous la question de notre côté. Qu'est-ce qui se prépare? De notre côté,
qu'est-ce que nous préparons? Bah ennemi bango ba combien belé. Nous faisons quoi? J'ai confiance na FRDC. J'ai confiance na président de la République qui est presque seul aujourd'hui. D'ailleurs, pour moi, je vous demande n'allez pas en France. France peut organiser votre... Puisque les gens sont déterminés. Je vous ai dit ici, notez ça. L'OTAN, l'Occident est déterminé à ne pas laisser Tshisekedi réussir ce quinquennat. A Rossi, ils ont répété. Bon, il y a un agenda, bon, commandant, il y a l'élo. Il y a un agenda, la fois passée, écrivez ça. Ils sont tous debout comme un seul homme. Tshisekedi ne va pas terminer ce mandat ici. Donc, Nzambeka, je demande à ce que de soutenir Oyabiso, Atabaza mal payé, Atabazo Latabiente, Atabaza de soutenir Bango, de moraliser Bakonzi na Bango, de s'occuper na Bango, et nous pourrons peut-être bouger les lignes. Ce qui t'a abandonné, Kaka, Akase, ce qui t'a zolo Baba Okangabiso, ce qui t'a salibouto, c'est fini, ce pays ici. Et côté à la peut-être n'a pas assez composé. Alors, je vous aime bien, je pense que je m'arrête par là. On a déjà fait une heure. Je m'arrête par là et je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Mes chers amis, avant de partir, le monde ici, les Congo ne me soutient pas. Moi, je vous demande, vous, de me soutenir. Me soutenir, c'est de nous rejoindre sur notre chaîne. Vous avez la possibilité, surtout Bandeko ya Diaspora Nyos. En RDC, moi, problème, mes alliés, pour nous rejoindre facilement. Parce que bazana ma carte bancaire, tu bazana ma information, ni n'ignon sauté. Mais à l'extérieur du pays, vous pouvez le faire. J'ai 100 000, plus de 100 000 abonnés. Jusque-là, je n'ai qu'une dizaine de personnes. Est-ce que vraiment vous aimez cette chaîne? Est-ce que vraiment vous aimez cette chaîne? Natcha numéro 1. Les soutiens peuvent venir soit par PayPal, Moto Mokote. Et puis, je me demande pourquoi Natcha Kayango. Les soutiens peuvent venir soit par Zelle, par Cash App, Moto Mokote. Je pense que depuis Nabandi cette année, rien du tout. Rien du tout. Mais ce qui nous a renforcé, c'est côté Nabino. C'est bon que tout ça, la paix, munitions, on a fait Nabino munitions. Munition, ce n'est pas seulement les likes. Hein. Donc, vous pouvez s'en munition à tous les niveaux. Likez cette émission, partagez qu'il y a un lanceur d'alerte. Mais avant que Bakangaye, il doit parler, topez sa munition. Donnez-moi des munitions, je vous aime bien. Et que mon Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Abonnez-vous, rejoignez-nous si vous avez la possibilité de le faire. Je vous serai très reconnaissant. Merci à tout le monde. Merci à tous pour vos commentaires. J'ai partagé les liens. On se retrouve. Les liens encore pour nous rejoindre, je le partage pour la dernière fois. C'est dans les commentaires ici. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il prenne bien soin de vous. Et avec plaisir de vous retrouver demain dans un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À demain. Au revoir. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacaos. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai.
bienfaits et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Chers partenaires Digilink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec Digilink, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur ? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur Digilink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez gigilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez Digilink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, Digilink est pour vous. www.digilink.com. Il est possible d'étudier ou scolariser votre proche dans une université canadienne, américaine, britannique ou française. Globedu Solution est votre partenaire privilégié pour ce parcours. Nous vous proposons la gamme des universités adaptées à votre profil, niveau d'études et moyens financiers. Depuis la soumission du dossier, les tests exigés jusqu'à l'obtention de l'inscription, un consultant vous prend en charge et vous entraîne au respect des standards exigés afin d'obtenir les meilleurs résultats. Une seule adresse, www.globedus.ca. Numéro d'appel, +1 63 99 99 66 53. Écrivez-nous à info@globedu.ca, nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Avec nous, étudiez à l'étranger et scolarisez vos proches en toute confiance et transparence. Globedu Solutions, le travail de pro, en partenariat avec le groupe HK Today Holding. Nelson Yandila, Coco Yasuka Moka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, bobatelama nandameo. Bamamana este bobatelama, bobatelama nandameo. Okunana yeturi bobatelama, bobatelama. Sisi Lumo ya kashama Motema pasi eba na bunakanda e Zambe alola Abate la bina Zambe Kostan dima Beta 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 matusa Beta matusa e Infarte se L'équipe en akasi La police nationale. Mama yo yo, Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Jenny Jenny, patriotique. Ah, Kembo, ah, Kembo, pot. Tomalanda, a Congo Mongali. Subakaniza kazoto eza kotonga boye bakalo kuta ebo makazoto
nga na leli yo bolingo ya papa e papa batela zoto e yango ezali te pelo ya molimo molimo mosantu e Sanjoli, ezonga na yo zakoma. Natoli okoto na zakoma, ye 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 yo yo. Oh. Hallelujah, zambe na Kongo, zambe na Nguya, atonda na Bolingo. Yonde mosatu heto kumisio Moko na Kongo Ato na bolingo Mwana na nzambe Obongi na kemo Tu es